Je veux que ça soit complètement naturel, de se sentir vraiment libre de mouvement. J'arrive à trouver des formes que si je commençais à réfléchir ou à trop penser, je dirais bah tiens non, il faut pas que j'aille là-bas, etc. Damien Demeter peint depuis 35 ans sans trop réfléchir, dit-il. Là, je laisse vraiment la peinture vivre et laisser son empreinte sur mon tableau, etc. Je vais travailler par accumulation et par couches superposées, voire créer une vibration, des entrelacs. Il y a même des fois une impression de trois dimensions. L'artiste crée à Roubaix, il a déjà signé plus de 200 œuvres. Moi, ce que je veux absolument, c'est proposer de l'art coloré, créer des ruptures chromatiques et avoir vraiment des nuances complètement improbables qui vivent entre elles et qui s'harmonisent de façon hallucinante. Les couleurs puisées dans la nature, Organique est le nom de sa toute première exposition. C'est une sérigraphie, donc ils ont fait un beau travail. Puis le fait que tu les retouches à la main comme ça, bah, ça donne aussi une valeur supplémentaire à chaque pièce. On fait ce travail-là par le plaisir, hein, que ce soit lui en tant qu'artiste ou moi en tant que galeriste. Il faut qu'on ait cette émotion, c'est l'âme de ce travail en fait. Hein. Pour moi, c'est une renaissance, l'atelier, il n'y a plus rien, tout est parti. Donc maintenant, il faut regarnir et il faut repartir sur des nouvelles créations. Repartir, car après Lille, Damien Demeter exposera ses œuvres à Bruxelles.